Es-tu le jour de la distribution de l'intelligence? Hein? Hein, Sally? Tiens bon, Sally! Le hérisson va à ton secours! Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Mes gabous! Ah, ça commence à devenir collant! T'en fais pas, Sally! J'arrive! Oh! Oh! Sonic, où étais-tu le jour de la distribution de l'intelligence? Il va falloir que j'arrête les chili hot dogs. Salut Rotor, quoi de neuf? Rien de passionnant. Et toi, ça va? Oh, j'ai fait un rêve pas possible ce matin. Tu t'y connais en rêve, toi? Pas tellement. Sally m'a dit un jour que ça représentait comme une peur au fond de soi. Les gars, Nicole vient d'intercepter un message que Robotnik envoyait à je ne sais qui. Pas de bonnes nouvelles, sans doute. Non, elles sont même affreuses. Écoutez ça. Nicole, veuillez nous retransmettre le message que vous venez d'intercepter. Transmission. Attention, premier escouade de Cerber. Cherchez les produits chimiques pour épandage sur l'élevage. Rendez-vous avec le débuliteur sur l'île de Cumulus à 12 heures précises. Ordonnées vont suivre. Ça vous suffit? Répandre des produits chimiques sur les nuages? Pluie acide. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Mobius est déjà inondé par cette saleté. Ah, je suis prêt à parier que Robotnik a encore une idée derrière la tête. Mais le seul problème, Rotor, c'est que nous ne savons pas laquelle. Si l'île est habitée, il faut avertir la population plus vite. Ça, c'est facile comme tout. Mais comment empêcher Robotnik d'empoisonner les nuages? Je viens de trouver un super plan, les gars. Ne vous avancez pas trop. Le spectacle ne devrait pas être beau à voir. Mais oh. Oh, miséricorde! Moi qui croyais être la reine du désordre. Eh oh, Rotor! Nous avons failli attendre! Je suis sûr d'en avoir quelque part. Je le savais bien. Combien de panoplies de Cerber avez-vous, juste? J'en ai 3 seulement. Une pour Sally, une pour Marilyn et une pour toi. Non! Non! Alors, je ressemble à un Cerber? Oh! Au secours des Cerbères! Oh, pauvre Dave! Il a eu peur de la douce Sally. Première escouade de Cerber, allez voir d'où vient cette fumée. La fumée, c'est con. Allons-y. Attends, rouge, laisse-moi faire. Attention, le poison est devenu Cerber. Je
Nicole, accès au nébuliseur code de sécurité. Recherche accès. Vite, dépêchez-vous. Oh là, tu dors. Oh. Serre les dents, les genoux, Antoine. Et tu vas bien? À vos postes. Des usurpateurs? Eh bien, voici que les rats se déguisent en Cerbère maintenant. Oh, le docteur Robotnik va être enchanté de vous voir. Ça ne peut être que l'île de Cumulus. On avait rendez-vous. Wow. C'est le casque d'Antoine. Qu'est-ce qu'il attend, votre grand chef indien? Cette poule mouillée n'ose pas nous regarder en face. Oh, quel ton arrogant. Ça ne convient guère à une soi-disant princesse. Et la Lusorgalina Sedit plaît beaucoup à ce pauvre clope. Où est le hérisson? Le hérisson, il vous dit bien des choses. Ah, qu'importe, princesse. La patience est l'un de mes points forts. Nous l'attendrons. Elle. Vérification de toutes les fonctions. Je ne veux pas la moindre anicroche. Docteur Robotnik, l'invité d'honneur est annoncé. Que la fête commence. Wow. Hein? Hé, hey, tenez bon! Je serai là dans une demi-seconde! Bienvenue, hérisson. Tu arrives au moment voulu. Tiens-toi prêt, la fouine. Patience, la fouine. Patience. Feu! Quoi? Oh, mieux vaut enclencher le turbo. Le feu commence à m'échauffer les oreilles. Attends. Oui.
toi. Oh, je m'attendais à un peu plus de combativité de ta part. Oh, tu me déçois, hérisson. Ne vends pas la peau de la banane avant de l'avoir épluchée, Spoutnik. Miel ! Méga problémo ! Ah, je suis coincé ! Désolé, les pavots ! Faut que je vous laisse ! Oh, en fait, on ne vous l'a pas dit ? Il ne faut pas jouer au bord de l'eau ! Adios ! Gardez le moral, je vais vous sortir de là. Attention au barreau, n'y touche surtout pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont te repousser. Sans compter que tu risques de te retrouver sur ton petit derrière de chourisson. Cela dit, tu as mieux à faire que de t'occuper de nous. Et qu'est-ce que tu dis? Vous me voyez fort mari de vous contrarier, ma princesse, mais il serait... Antoine, si nous laissons faire Robotnik, nous allons baigner dans les pluies acides sous peu. Oh! Méfie-toi, Sonic. Je les aurai. Je ne sais pas comment, mais je les aurai. Le dénébuliseur est en place, monsieur. Sois prêt à effectuer les bandages. Ils vont arroser avec leur ballon dirigeable. Mais sacre bleu! Que pouvons-nous faire? Bonne question, Swan. Sonic, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive à notre petit hérissounet? On dirait qu'il a vu un fantôme. Ou plutôt qu'il rêve éveillé. Il faut le sortir de sa torpeur. Sinon, c'est notre fin à tous. Sonic! Sonic, espèce d'outil de ramoneur usagé! Réveille-toi! Réveille-toi, Sonic! Sonic, c'est moi, Sally! Est-ce que tu m'entends? Sonic! 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 Où étais-tu? Le jour de la distribution, nous avons besoin de toi! Sonic, tu m'entends? Sonic! Où étais-tu le jour de la distribution de l'intelligence? Intelligence, intelligence, intelligence. Sonic, fais vite! Il va déclencher un déluge chimique! Serre-toi de ta tête, camarade! Vite, Sonic, vite! Mouais. Et si j'utilisais ces puits de façon quelconque, j'arriverais peut-être à noyer le défilé de Robotnik. Comment ferais-tu? Ça y est, j'ai trouvé la méga solution, Sally. Ça va te décoiffer. Eh oh, c'est Robotnik. Je vais te faire une surprise. Je n'aime pas les surprises, hérisson. Et venant de toi, surtout. Peut-être, mais je te jure que celle-là vaut le déplacement. Hérisson, l'esprit perturbé. Mais que fait ce misérable rongeur invertébré et la fouine? Je ne sais pas, monsieur. J'espère que les engrenages sont bien graissés. Turbo. Que vous avez perdu cette guerre insensée que vous avez menée contre moi, princesse. Oh, la fouine, de quoi s'agit-il? Je suppose qu'il s'agit de du hérisson. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Change de trajectoire.
La fouine, sors-nous de là tout de suite, sinon je te tue. Notre petit chourisson a encore gagné, Sally. Il a mis 3 longueurs à Robotnik et les doigts dans le nez. Où es-tu, Sonic? Où es-tu maintenant? Sonic! Tout va bien. Rien à signaler, sinon que ça va me coûter cher en teinturier. Ah, quittons ce pompier. Mais qu'est-ce que t'attends, la fouine, qu'on s'écrase? Pas en camouflage néant. Lance-moi. Arrière de Robotnik a fini par dépoter ses chrysanthèmes. Il cultive des fleurs? Savante manœuvre, hérisson. Mais le coup ultime est à moi. Docteur Robotnik, les circuits principaux ont subi des dégâts irréversibles. À quoi servent les circuits secondaires? Certes, mais si nous ne rentrons pas dans les plus brefs délais, nous allons nous écraser. Là, tu veux, hérisson! La fouine, pourquoi le missile refuse-t-il de partir? La destruction d'un circuit en entraîne une autre. Et rentrons à Robopolis pendant qu'il en est encore temps. Pas de signe de Robotnik? Négatif, il est complètement cuit. Reste à savoir comment je vais vous sortir de votre poulailler. Sacre bleu! Quel est ce nouveau novateur? J'ai eu comme la tremblotte. Sonic, la rivière! Oh, miséricorde! Elle est en train de déborder! Plus grave encore! L'île est en train de couler! Sally! Appuie le survoltano sur les barreaux. Il devrait absorber l'énergie. J'ai des doutes, Sonic. Elle est extrêmement concentrée. Tu dis toujours qu'il faut établir un plan. Et ça, Sally, c'en est pas un? Pas le temps de discuter. Vas-y. Oui, tout pour le tout. Je ne sais pas nager. D'accord. Croisez tous les doigts. Tiens bon, Sally, tiens bon. Aidez-moi. Eh bien voilà, il suffisait d'essayer. C'était un super plan. Oh, je me suis dit, Sonic... Excusez-moi d'interrompre la distribution des prix, mais il y a comme de l'humidité dans l'air. Et Sally, tu t'accroches à moi. Marilyn s'accroche à Sally. Et toi, à Marilyn. Nous allons faire une méga sortie. Tu crois que Robotnik est vraiment devenu de l'histoire ancienne? J'aimerais en être sûr, Sonic. J'aimerais en être sûr. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à mon avis, le cauchemar dont tu m'as parlé était une sorte de mise en garde.
Par conséquent, réfléchis avant d'agir à partir de maintenant, d'accord? Sonic? Oh, tu es la méga plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Oh, oh, tu me fais battre le cœur à 100 à l'heure. Monter la salive aux lèvres. Oui, oh, rien n'égale à Chili Hot Dog. Oh, c'est pas vrai.